de bêtises, mais cette fois-ci, je préfère que les bêtises soient imprimées. 80 ans déjà, je devrais dire seulement. Pardon. Chers amis, rassurez-vous, je vais être court. Ça ne m'est pas fort compliqué car je suis né court. Quelques centimètres à l'essence, et puis ensuite une petite poussée jusqu'à 1m70, je veux dire 70. Vous voyez que, bien que j'ai la réputation d'être un francophone pointu, je suis bilingue. Je disais donc que j'étais arrivé à 1m70 en 1947. Un an plus tard, à l'armée, un sergent-chef m'a dit que je ne mesurais plus qu'à 1m68. Ciel, merci. Les responsables de nos régiments ne m'ont gardé que 3 jours avant de m'abandonner comme ils l'avaient fait avec la floche dévorée de police de l'avant-guerre. Sinon, si j'avais fait carrière sous les drapeaux en me laissant rapetisser de la sorte, je ne mesurais plus que 1500 mm à la vraie époque. D'autres phénomènes curieux et paradoxaux ont illustré ces longues années de vie. Ainsi, en 1964, j'ai été atteint par une méchante méningite. Une seule séquelle. Je suis devenu moins con après cette maladie que je ne l'étais avant. Catastrophe pour mes éditeurs et lecteurs, c'est à la suite de cette inflammation des méninges que j'ai commencé à écrire des livres. Les plaintes peuvent être déposées auprès de mon médecin traitant. Mais passons à ce qui est important. Je veux tout de suite dire merci à ma fille Caroline et à son époux Vincent de nous accueillir dans cette école. C'est en effet une institution dans laquelle je n'ai jamais passé assez de temps. J'ai préféré faire mes classes sur le terrain comme correspondant de guerre et ensuite comme correspondant de paix et aussi, je vous l'avoue, un peu comme vagabond. Et merci à vous toutes et tous d'être sous ce toit familial. Si j'ai bien compris, ce qui dans mon cas n'est pas toujours certain, vous avez la gentillesse d'être venu ici pour saluer le temps qui passe, dont je suis un des rescapés. Bien sûr, il existe, grâce à l'augmentation de notre espérance de vie, de plus en plus d'octogénaires. Mais quand même, 80 ans, c'est un long morceau d'existence. Pour me consoler, on me dit que c'est 4 fois 20 ans. Je préfère l'idée de 8 fois 10 ans, car je reste un vieux gamin qui aime jouer avec les mots et les lettres. Un anniversaire signifie-t-il un long regard sur le passé ou un bref coup d'œil sur le futur? Encore un point d'interrogation. La vie d'un reporter en est remplie. Quel joli signe que ce point. Il ressemble à la lettre J. J comme journaliste. Ne pensez pas que je vais prendre le temps précieux de votre présence ici pour vous raconter ma vie, ni ma carrière, que je préfère nommer mon aventure. Elle a été peuplée de confrontations avec des êtres célèbres, souvent durs et impitoyables, mais il ne me reste au cœur que l'émerveillement de l'amitié et de l'enrichissement en leçons et en affection que m'ont apporté bien des rencontres avec tant de gens totalement inconnus. Les seules choses qui soient fatigantes dans le fait de vieillir, c'est de faire sans cesse le point, d'évaluer ses remises en question, de ne pas laisser s'éteindre l'enthousiasme ni l'envie d'aventure physique et mentale, et avant tout, de se refuser des repos et des congés inutiles. Autre... Ah, excusez-moi. Et des congés inutiles, je comprends la limite. On ne peut faire ça tout seul. Si j'ai la chance d'y être arrivé de temps à autre, c'est parce qu'autour de moi, il y a ma douce Yolande, qui a le stoïcisme d'être mon épouse, mon amoureuse, comme disent les petits garçons, et mon amie depuis bientôt 55 ans, sans compter la TVA. Il y a mes enfants, Étienne, Caroline, Jasmina et Vincent, mes petites filles, Naomi Fée et Florentina, et vous tous, qui en ce jour savait cultiver cette merveilleuse qualité humaine qu'est la fidélité en amitié. Elle est traduite, vous l'avez traduite, par la lumière d'un sourire ou d'une poignée de main fraternelle. Touchez, comme disent les anglo-saxons lorsqu'ils ne trouvent pas de mots anglais pour dire leur émotion. Oui, je suis touché par votre venue ici, et puisque c'est ainsi,
J'essaierai de faire mieux pour mes 90 ans. Je vous serre toutes et tous sur mon vieux cœur.